Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je vous accueille pour la suite de nos aventures sur Marvel Avengers. Donc voilà, on venait de recruter Blight Widow. Et puis voilà, du coup là je la contrôlais, on était dans sa chambre. Donc, je vais faire un peu le tour des objets interactifs. Ah bah oui, la Désolée. fameuse ballerine. Mais il faut croire que j'arrive pas à t'oublier. Voilà pourquoi elle s'était fait appeler la ballerine. Salut mes beautés. Je vous ai manqué. Bon, ça c'est les flingues. Et là, les tenues. Qui j'ai envie d'être aujourd'hui? Ouais, c'est normal, c'est une espionne donc. Elle change de tenue par rapport à la mission qu'elle fait. Ouais, bref, bon bah du coup, on se préoccupe autre chose. Lui faire prendre une douche. Non. Pervers, là. Je rigole. D'accord. Il y a des inhumains aussi qui sont venus. Qui travaillent avec le shield. Voilà, on va aller faire un petit tour au vendeur là-bas. Il y a du monde, hein. Bon, je dois rejoindre le pont de commandement. Un collectible, labo de Monica. Qu'on n'avait toujours pas récupéré tous les objets de cette collection. Alors, j'évite de m'énivrer. Je suis pas sûr que ce soit m'énivrer. Il doit y avoir une erreur de traduction. Bon, je vais lancer l'audio, comme ça on va voir. J'évite de m'enivrer. Ah, m'enivrer. Une situation sociale. Ah oui, c'est. Oblige à me donner en ah oui, m'enivrer. Non, c'est moi qui sais pas lire. J'ai pas l'habitude d'abandonner le contrôle. M'énivrer, moi je disais. Ah, c'est enivré. Bref, certaines situations sociales m'obligent à me donner en spectacle, mais je n'ai pas l'habitude d'abandonner le contrôle sans obtenir quelque chose en retour. Ce soir, c'est différent. Je viens de recevoir le rapport final des équipes d'archéologues. Chaque site géographique que j'ai pu relier aux origines des Inhumains montre les mêmes signes. C'est incontestablement extraterrestre. Ça change tout. Ils sont déjà venus ici. J'ai ouvert une bouteille, verrouillé les portes et occulté le système de sécurité assez longtemps pour sombrer dans le néant le temps d'une soirée. Je le mérite bien. Je me sens si seul. Je n'ai pas besoin d'une chose aussi banale et sordide que de la compagnie. J'ai besoin de la seule chose que je ne peux pas avoir, quelqu'un sur qui compter. Je suis épuisé de faire ça toute seule. J'ai juste besoin d'autres copies de moi. Je n'en veux pas aux autres de s'opposer à ce que l'IM doit faire. Tout le monde ne voit pas ce qui va arriver. S'ils comprenaient ce que je fais et pourquoi, ils seraient prêts à me vénérer. Mais non, il faut les traîner vers leur salut à coups de pied. Je peux l'accepter. Ouais, ouais. Une psychopathe de toute façon. Ouais. Alors. Ah, Miss Marvel, qu'est-ce qu'elle dit? Merci encore. Pour tout. Tu m'as bien plus aidé que tu ne crois, Kamala. Ah, on dirait que vous prenez des forces. Cette prison m'a beaucoup affaibli, mais je pourrais bientôt reprendre le combat. Hello, Avenger. Venez rencontrer le nouveau vous. Ah, c'est en dose de cosmétiques. Et voici le résultat. Toutes ces nouvelles tenues. Ah bah, elle vaut la peau du cul, votre tenue. Hein. Soit, pour dire. Mais vous reviendrez, je le sais déjà. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui? On en est où, niveau sécurité? C'est le chaos. On fait tout ce qu'on peut pour recâbler le réseau. Ça s'ouvre pas, là? Ça s'ouvre plus, ici. Ils sont pas relous, à part ça. Approchez! Approchez! Venez voir mes marchandises de qualité! Test de micro. 1, 2, 3. On est en direct? Ok, un instant. Une certaine effervescence s'est emparée du New Jersey et du Parc des Héros, tandis que l'inauguration de l'expérience IDM approche. Son PDG... révolutionnaire, alors que l'organisation se prépare à dévoiler... Tenez bon, ok? J'essaye. C'est difficile de ne pas se sentir désemparé. On doit faire payer à la IA ce qu'ils ont fait. Ce sera le cas. Je vous le promets. Viens, je suis prête. Allez, Kassos. Moi, juste quand. Mais je vais comment là-bas tout? C'est pas possible. Comment on fait pour aller là-bas, du coup?
Ça doit être bloqué à mon avis. Il doit falloir aller rejoindre Tony au point de, comment dire, à la salle de contrôle. À mon humble avis, nous allons avoir le privilège d'assister majeur. Agent Romanov, comment ils vont? Ils récupèrent. Ils ont beaucoup souffert. Je vous remercie de les avoir trouvés. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ouais, bon bah je pense que ce sera tout à l'heure. On va aller voir Tony. Est-ce qu'il est dans sa... Comment dire? Dans son laboratoire, la salle de commandement. Salle de commandement, il m'a semblé qu'il disait. Ah, il est là. Je vais faire un petit tour ici. Voir sur la machine. J'ai moyen de faire d'autres tenues. Ah mais non, c'est vrai, j'ai toujours pas récupéré de plan de fabrication. J'avais oublié. Et on dit que c'est moi qui change tout le temps de tenue. Ouais, mais Tony Stark, c'est pas une tenue, c'est une armure, pas pareil. Allez, on va aller le voir. Voir ce qu'il nous raconte. Ok, Tony. On doit dévoiler au monde entier ce que manigance l'AIM. Et j'ai exactement l'événement qu'il nous faut. L'expérience AIM à Manhattan. Tarleton va présenter ses adaptoïdes aux médias. Toutes les chaînes seront là. Je crois que c'est l'endroit idéal pour faire soudain réapparaître quelques dizaines d'inhumains disparus. Mais on doit rester prudent. L'AIM préférerait tuer tous les prisonniers restants plutôt que de risquer de se compromettre. Il nous faudra l'emplacement de leur labo pour le sécuriser. Heureusement que t'as capturé l'assistante de Tarleton. Si quelqu'un peut lui tirer les vers du nez, ce sera bien Bruce. Il s'est déjà porté volontaire. Bien joué, Tony. Descends dans la salle d'interrogatoire. Je vais prévenir Bruce. Mademoiselle Romanov, le docteur Pym a demandé à vous voir au terminal de mission dès que vous aurez un instant. Ok, bah, quand j'aurai un instant. Ici le Chimère, répondez. J'arrive pas à croire que tu sois plus là. On aurait vraiment besoin de ton aide, Cap. Mais il est toujours là, il se cache et tout. Je dis ça, ouais. Je sais même pas. Ça me paraît juste bizarre qu'il soit décédé. La façon dont il est mort, c'était un peu ridicule quand même. Donc, je me dis qu'il s'est peut-être bien échappé au final. Je vois que la cavalerie est arrivée. Vu qu'il a été. Comment dire. Vu qu'il a été. Il s'est fait enfermer par l'autre, il a tout de suite compris qu'il voilà, y avait des ennemis chez AIM. Et du coup, il est resté dans l'ombre. Voici en attendant. Les infos dont nous disposons. Et moi, c'est comme ça que je vois le truc. Beau travail. On verra bien comment ça évolue. Comme ça, et je pourrais peut-être recommencer à dormir. Je dis qu'il a peut-être fait exprès de simuler sa mort. Allez, bon, on va regarder ce qu'il veut l'autre là. Le Hank Pym. Bonjour de la fourmilière. Natacha. Merci pour votre aide dans la prison de l'AIM. Merci aussi pour tout ce que vous avez fait sous l'identité de la ballerine. Je me demandais qui était notre mystérieux ange gardien. À votre service, Hank. Parfois, rien de tel qu'un coup de main sale. Certes. Mais comment avez-vous fait pour activer le Chimère puis le faire décoller sans térigène? Le Chimère possède aussi des moteurs d'héliporteurs standard. C'est un peu comme une voiture hybride. Mais en plus cool. Mais j'imagine que vous n'appelez pas que pour me remercier, docteur. Non, en effet. On a analysé les données que vous avez envoyées depuis la prison. L'AIM a pu déplacer la plupart des inhumains. J'ai réussi à localiser leur vaisseau, mais il nous faut quelqu'un pour le poursuivre. Nous ferons tout notre possible. Merci. J'ai déjà envoyé tous les détails sur votre terminal de mission. Pym, terminé. Merci, Hank Pym. Vous revoir à bord du Chimère, mademoiselle Romanov. J'ai des informations sur les potentiels déserteurs de l'AIM que vous m'aviez signalé quand vous étiez la ballerine. J'ai marqué un emplacement qui devrait vous intéresser sur le terminal de mission. Merci Jarvis. C'est bon de t'avoir à nouveau comme superviseur sur ces missions. Comme au bon vieux temps, dirait l'adage. Parfait, déverrouiller les missions de héros. Voilà, c'est la série de missions emblématiques. Alors, voyez si Bruce est prêt à parler à Monique. Ouais, il y a un gros problème de finition sur ce jeu, ça se voit clairement.
par rapport aux animations de visage, en fait. Je sais pas si vous avez un peu remarqué, bon, je l'ai déjà dit, hein, mais là, en fait, du coup, je le vois maintenant, je le vois tout le temps, quoi. Et que quand il y a des cinématiques d'animation, avec Bruce, il est là-bas. Quand il y a des cinématiques, même là, c'était pas vraiment une cinématique, c'était une mise en scène. Voilà, les personnages parlaient entre eux, je pouvais quand même me déplacer, j'étais pas figé en fait. J'avais encore un peu le contrôle du jeu, quoi. Mais quand Pim, par contre, il s'est mis à nous parler, là, c'était vraiment une cutscene en fait. Où justement le jeu a joué une cinématique, un truc préenregistré avec le moteur du jeu, hein, c'est pas du précalculé. Mais en fait, quand on regarde le visage des personnages, on se rend compte que quand ils parlent, ils sont pas trop mal animés, c'est pas pire, ça va. Mais par contre, quand ils finissent en fait leur phrase, le mouvement en fait du visage, il revient en position neutre et en fait il y a aucune animation, il y a aucune transition entre les deux animations. Ce qui fait qu'en fait c'est hyper saccadé en fait. Vous regarderez à l'avenir. À chaque fois quand les personnages discutent entre eux, vous regarderez bien leur visage et vous verrez en fait quand ils terminent leur phrase, à chaque fois le visage, hop, on le voit en fait d'un coup, hop, il reprend la position neutre. Et c'est juste, c'est horrible. Tu profites de la vue ? Non, pas terrible. Pas assez pour oublier ce qui m'attend en bas, mais je crois que je suis prêt. J'ai pas vraiment le choix en même temps. Bon, je vais aller te préparer la salle d'interrogatoire. Si tu veux me parler, utilise la radio. Merci, Nat. Il faut juste que je réfléchisse un peu ici avant. Ok, mais ne réfléchis pas trop. Voilà, on l'a vu, ça l'a fait légèrement. J'ai ramené tous les noyaux d'énergie nécessaires aux chimères. Je me suis dit qu'ils pourraient rester là-haut et vous équiper comme il se doit. Nous pouvons reprogrammer un autre robot de l'AIM pour le remplacer ici, à la fourmilière. Nat, je vais aller parler à Monica. Elle va tenter de te manipuler, tu le sais. Je pense bien connaître Monica. Non, justement. Il y a un millier de Monica. Elle passe de l'une à l'autre comme si elle mettait un masque. Ouais. Écoute, ce que je veux dire, c'est que si tu entres dans cette pièce plein d'espoir, elle va s'en servir contre toi. Alors, ouais, bon, ça c'est des équipements, on s'en fout. Les issues sont bien gardées ? Oui, agent Romanov. Bien. Ouvrez-moi le sas, et ensuite n'ouvrez à personne d'autre que le docteur Banner. C'est compris ? Ouais, donc oui, ça... Lancement du normal. Ouverture du sas. C'est normal que c'était fermé. C'est ça le protocole d'ouverture du sas, c'est tu tapes à la porte, en fait. T'as travaillé avec Monica. Pendant longtemps. Elle a changé, non ? Non. Tu sais, je pense pas qu'elle ait jamais vraiment eu de sentiments pour toi. Mais si je me trompe, si elle semble avoir des émotions, exploite-les. Ce sera ton meilleur atout. J'ai toujours aimé ta franchise un peu brutale, Nat. Tu peux y arriver, Bruce. Il faut que tu y arrives. On doit trouver les prisonniers inhumains restants avant de débarquer à la tête de l'AIM. Après, en même temps, elle, c'est une espionne, donc manipuler les gens, c'est un peu sa spécialité aussi. Par ici ! C'est normal qu'elle lui donne ce genre de conseil à Bruce, quoi. Vas-y, vas-y, gars. Si tu vois qu'elle a un petit peu de sentiment pour toi, vas-y, manipule-la, profite-en. Ouais, ça m'a indiqué que j'avais pu appuyer sur X. Ouais, c'est ça. Je me demande s'il y a des munitions là-dedans. Ah, le camping-car de Bruce. On a passé de bons moments à camper à Andy Woods avec ce truc. Andy Woods. Bon, du coup, il n'y a plus rien. Apparemment, non. Je vais juste aller parler vite fait au vendeur là-bas. Je suis là si vous avez besoin de moi. Ah, récompense de rang de faction. Veuillez accepter la récompense. Bah, nickel. Ouais, bon, après, tout ça, moi, je m'en fous, ça me saoule. Ça me saoule, il y a trop de délire d'équipement, hein, de devoir changer d'équipement en permanence, c'est insupportable. Son temps à aller dans le menu pour aller voir si on n'a pas du nouveau matos.
Ouais, bref, peut-être une compétence. Ah ouais. Alors. Défense, elle a quoi? Ah oui, c'est le truc pour aller plus loin. Ouais, allez. Bon alors, je pense qu'elle doit être là, Monica. Vu le nombre de soldats qui sont dans le coin, ouais. Elle doit être là-bas derrière. Ah, même pas, là. Bon, on est prêt à y aller. Salle d'interrogatoire. Tu crois que Bruce pourra obtenir des informations de Monica? Oui, je pense. Je crois qu'il est prêt. On doit trouver le labo de Tarleton. J'espère que t'as raison. Ce petit entretien pourrait tourner au désastre. C'est pour ça qu'on fait ça dans la salle de jeu du Grand Gaillard. Miss Marvel, elle veut pas parler, apparemment. Bon, allez, interrogatoire. Je voudrais pas rater ça. Ils sont pas reparlés depuis les audiences. Ça va aller pour Bruce? Y a intérêt. Une fois que le ménage sera fait chez Tarleton, ce sera son tour. L'expérience IM. Y avait mieux comme nom. Bon, on doit chercher l'emplacement de ce labo. Des centaines d'inhumains comptent sur nous. Donc la ballerine, hein? Laisse-moi deviner, toi t'es plutôt ACDC. Oh, mais pas du tout. J'aime beaucoup le lac des cygnes. Ça va commencer. Laisse-moi deviner. Vous préparez un coup d'éclat pour le lancement de l'Adaptoid. Le retour triomphant des Avengers. Emprisonnement. Et torture. C'est comme ça que l'AIM veut rendre le monde meilleur. Allons. L'Ebola, la variole, la polio, on les soigne grâce aux rats de laboratoire. Les inhumains ne sont pas malades, Monica. Tu t'empares de leur pouvoir pour tes petits robots. Des robots qui ont une intelligence complexe, capables d'utiliser leur pouvoir de la manière la plus efficace qui soit, tout en minimisant les pertes humaines. Où est le labo, Monica? Tu sais fabriquer du térigène, oui, mais ce serait une catastrophe, et tu le sais bien. Tu étais là au Heyday, et tu sais que si ça recommence, ça va pas seulement toucher les inhumains, ça va toucher absolument tout le monde. Il me semble pourtant que le Heyday, c'était votre faute. Oh, bon sang! Il va falloir une table plus solide. Je vois que certaines choses n'ont pas changé. Tout n'est qu'une vaste expérience pour toi, n'est-ce pas? C'est ça. Tarleton. Les inhumains. Moi. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Les adaptoïdes seront lancés, Bruce. Sauver le monde exige des sacrifices. Je vais y aller. On doit trouver ce labo. Et j'ai bien l'impression qu'elle l'aime encore.
Tarleton vient pour son acolyte. Nat, Quinjet. Jarvis. Tu lis dans mes pensées. Je détecte des forces de l'alien en approche. Fais attention à toi. Reste près de moi. Ok. Kamala, on y va. Allez, c'est parti. L'AI doit pas nous empêcher de montrer ces inhumains à la presse. Je crois bien que ce cher George est à notre hausse. Ils ont vraiment envie de récupérer le docteur Apatuni. Jarvis, garde un œil sur... Jarvis, la porte. Pourquoi ça m'indique que je peux m'accrocher quelque part là, n'importe quoi. Jarvis, tu peux ouvrir celle-là? Désolé, monsieur. L'AIE est en train de me bloquer. On va devoir faire ça à l'ancienne. Oh, ça commence à se corser. Tu sais quoi? Si tu survis à tout ça, tu pourras bosser pour moi. C'est génial. Parfait. Occupe-toi des méchants robots. Je vais me charger de ce tas de ferraille. Avec plaisir. Oh, tu vas t'énerver bientôt. Voilà ce que je veux voir. Nat, dirige-le vers les ennemis et fiche le camp. J'ai pris les devants. Quoi ce délire, je l'ai rétréci. Mais je les ai rétrécis en les tapant en fait, d'ailleurs. Par rapport à un équipement que j'ai sur moi. On a besoin de soutien aérien. Viens nous aider et vite. Ouais, allez Tony. Jarvis, oublie les canons. Dalton va bientôt arriver sur toi. On va incarner Tony là. Je pense. Ça se contrôle petite. Et cogne tout ce qui s'approche des noyaux d'énergie. Compris. Des intrus ont pénétré dans la salle de contrôle. Je m'en occupe. Il faut vous dépêcher. Ah, je suis pas sûr de pouvoir y arriver. On est bien occupé ici. C'est à toi de jouer, petite. Je sais que tu peux y arriver. Soyez prudente, mademoiselle Khan. C'est pas vrai. Ils foutent là. Ils détruisent les noyaux d'énergie. Tiens bon, Jarvis. Le timing est impeccable, mademoiselle Khan. Quelqu'un pirate le système. Démolis les robots de Tarleton au niveau des turbines, mais on aura peut-être bientôt besoin de renforts. Éliminez-en un maximum. Dégâts critiques sur mes systèmes supérieurs et mes systèmes inférieurs. Où t'as laissé la gamine? La gamine est dans la salle de contrôle en train de poser des fesses de robot. Et vous, les gars, pas mal. Comment ça t'habituer nos petites joues thermales, Kamala? Pourtant, mais où est Hulk? Sur le pont arrière, il affronte tout un bataillon d'unités de l'AIM. What? Oui, je suis mort comment là? J'ai pas compris. La caméra, la moitié buggée, j'ai pas vu du tout ce qui m'a touché. N'importe quoi. Ah.
Des ok, d'accord. Non mais en fait, elle est super faible cette super héroïne. Elle, en fait, elle est super faible. Même ça, quoi. J'ai fait une super attaque, ça a fait que dalle. Non mais sérieusement, ce jeu par moment quoi. Et je me suis fait gangbanger, j'avais toute ma vie je crois, mais sérieusement quoi. Je fais quoi là? On fait comment pour éliminer tous les ennemis là? Il y a un mode d'emploi non pour savoir comment les éliminer? Et là c'est un petit peu cheaté quand même votre truc. Hein. Allez cours là, en plus elle n'arrive pas à courir correctement. Pareil, lui j'ai voulu l'achever, j'ai pas pu parce qu'il était là-haut, du coup elle a pas su le loquer. Voilà, il est là-haut, j'arrive pas à le toucher. Pas ça. Il est insupportable avec ses trucs électriques là. Et puis mes pouvoirs, ils peuvent pas se recharger plus vite là aussi. Oh là là, il me saoule avec ses trucs électriques. Il a réussi à me toucher. Mais c'est insupportable cette attaque là. Machin, elle est, on peut pas l'esquiver quoi, c'est magnifique. Ah ben quand même. Mais il y en a d'autres. Ah bah ouais, forcément. Ça suffit, la tireur. Il n'y a plus d'énergie en plus. Merci. Allez. Voilà, quand même. Jarvis, est-ce que c'est toujours toi?
Désolé, Jarvis n'est plus parmi nous, Kamala. C'est terminé! Je me suis assuré que tes nouveaux amis ne sachent rien avant qu'il ne soit trop tard. On va quand même me passer sur le corps. Tu aurais dû accepter mon offre. Et finir comme tous ces autres inhumains. Non merci. Pourquoi vous vous contentez pas de prendre Monica et de partir? Pourquoi tout ça? Tu le sauras bientôt. Ils sont insupportables, ils attaquent l'un après l'autre, les deux là, du coup j'ai pas d'ouverture. Regardez vos mensonges. Il marche pas sur moi. Tu es si naïve. Taisez-vous. Tes nouveaux amis t'abandonnent. Bouge. C'est tout ce qu'ils savent faire. Je fais confiance en vous. C'est insupportable, hein. Ils attaquent l'un après l'autre, du coup j'ai pas d'ouverture, c'est le problème. Le monde entier. Allez, vas-y, arrête tes attaques pourries. Visage des Avengers. En plus, ça c'est des vieux robots de base, la seule chose c'est qu'ils ont un bouclier quand même. Oui, active-toi, là, le super-pouvoir aussi. Ah, quand même. T'appelles pas tes autres potes robots là? Jarvis, est-ce que ça va? Je crois, mademoiselle Khan. Merci. Mais je crains que le docteur Rapatuni se soit échappé. Un problème, Kamala. Ah bah bien. Va sur le pont tout de suite. Ok, j'arrive. Ah bah voilà. Ah oui, ils sont venus pour détruire le chimère. En direct de l'expérience IEM à Manhattan, nous sommes témoins du retour des Avengers, mais... J'ai l'impression qu'ils attaquent la ville. Continue, continue. Ah, c'est tort. Ce n'est pas un hasard, puisque cette attaque tombe le jour où l'IEM est censé dévoiler son tout nouveau programme d'adaptoïdes. Oh non. Il avait un t-shirt de volontaire. Merci. Bon allez, le retour de Thor. Très bien. Pas de très bonne humeur. Mais c'est Thor. Alors, force d'Odin, Thor est doté de la force d'Odin, qui le protège des dégâts et ajoute des effets électriques divins à ses attaques tant que la capacité est active. Une RT pour activer. Je le crois pas, Thor. Mais d'où tu sors? Je servais les... Mais Thor, d'où tu sors? T'as commencé à tomber du ciel. C'est tellement bon de te revoir. T'en fais un peu trop, tu crois pas? Peu importe, il est revenu. Alors le bon Dieu est revenu. Pourquoi? Vous avez fait ce qu'il fallait, Thor. Vous avez renoncé à vos pouvoirs. Vous auriez dû rester dans l'oubli. Jamais. Je vais crever. Vous vous cachez. De la vie quelque part. Hein. Vous n'avez pas le courage de m'affronter. Regarde. J'ai été achevé par un tout petit tir, c'était très. J'ai dégoûté, j'étais à côté du truc de soin, j'ai pas eu le temps de taper dessus. Eh, mais c'est Thor! Je crois pas à Thor! Mais d'où tu sors? Servais les rois. Thor, mais d'où tu sors? Commencez à tomber du ciel! J'ai des rimes. Tellement bon. T'en fais un peu trop, tu vois pas? Peu importe, il est. Mais c'est lui qui m'a tiré dessus. Je croyais que c'était un robot, mais non, c'est lui. Alors le faux dieu est revenu. Pourquoi?
Vous avez fait ce qu'il fallait, Thor. Vous avez renoncé à vos pouvoirs. Ah, il est insupportable avec ses vieilles flammes là. Mais je suis bête, c'est vrai qu'il faut le lancer le marteau. Eh, hey, mais c'est Thor. Je le crois pas, Thor. Mais d'où tu sors? Je servais les roturiers. Vous avez pas commencé à tomber du ciel. C'est tellement bon de te revoir. T'en fais un peu trop, tu crois pas? Peu importe, il est revenu. Ma Keblo là. On tire. Alors le faux dieu est revenu. Il est insupportable avec ses vieux tirs. Vous avez fait ce qu'il fallait. Et détruire tes canons, mordre-moi. Vous auriez dû rester dans l'oubli. Jamais. Où vous cachez-vous, docteur? Vous n'avez pas le courage de m'affronter? Regarde voilà. Autour de vous. Je suis partout. Qui a tout cassé. Oh, salut. Mon bon vieux. Il est sérieux. Et aussi. Appareil de l'AIM en approche. Occupe-toi de ces robots. Kamala, on est trop beau. Ouais. Oh. Non, j'arrive. Hulk, ça va aller. Comment il fait pour taper à côté, quoi? Qu'est-ce que tu l'as, quoi? Ils vont faire s'écraser Chimère. Ils sont mignons, non? En tout cas, ils sont costauds! Les forces de l'AIM ciblent la salle des moteurs. À toi de jouer, Tony. Petite, tu viens avec moi. D'accord. Quelqu'un peut me dire qui est cet enfant? On s'expliquera plus tard. T'inquiète pas, elle sait se débrouiller. Putain de flamme. Non mais sérieusement quoi. Allez, relève-moi. Comment ils peuvent être aussi faibles quoi, sérieux. Je vais voir s'il a pas des... Il a pas des... Qu'on a des objets aussi. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Compétence, il n'y a que dalle. Allez, on est parti. J'ai marre de me faire défoncer par les côtés là. La prochaine victime de votre marteau. J'ai l'impression d'être dans la FPS. Allez, ce voici va y passer. Le chimère. On lui a mis cher. Thor, est-ce que tu peux le maintenir en l'air avec le vent? Ça le mettrait en pièce. Ouais,
vaisseau va s'écraser. Il panique. Il sait qu'on a les inhumains et assez de preuves. On peut naviguer, mais les moteurs sont toujours à plat. Un peu d'optimisme, madame. Faut être dépêché un peu, Thor. Faites de vos rêves. Thor, où t'en es avec les machines? On perd en puissance. C'est ce que veut Tarleton. On est les terroristes dans cette histoire. Pas tant que je serai là. On ne perdra pas le chimère, encore une fois. J'ai repéré des drones qui se dirigeaient vers le pont de commandement. Je suis déjà bien occupée, petite. En charge! Désolé, vous avez peut-être entendu mon chien qui... Je couine un peu parce qu'il y a des bruits dehors. Les sous-systèmes de sécurité ont été réactivés. On va aller le mettre dehors du coup, comme ça va me lâcher. Je suis dessus. J'aimerais bien juste finir le combat là. Je vais voir ça pendant une cinématique. Du coup, je coupe un peu le micro deux secondes. Ça rappelle des souvenirs, hein. Travail en équipe, tout ça. J'appréciais les dialogues. Arrêtez ou je coupe le son à tous les deux. Justement. Ouais, ouais, désolé, du coup je me suis dépêché d'aller le mettre de le mettre dehors. Les gars. Oui, il est gros celui-là quand même un peu, non? Ça. Ils ont causé beaucoup de dégâts dans la salle des moteurs. Dalton, ne faites pas ça. Vous ne laissez pas le choix. S'occuper du synthoïde, enfin, de l'adaptoïde. Donc. Allez, vas-y, Hulk. Bon, il est mort. Faire des attaques de zone si tu veux. Je crois que vous connaissez bien. Ah ouais, ça sert à rien. C'est... Tu vas me piquer ma coiffure? Ah non, tu peux pas. Alors, Bifrost. Puis sur LB et RB pour voyager vers un autre royaume dans un couloir d'énergie céleste avant de revenir dans un torrent de lumière dévastateur. Utilisez LS après votre départ pour définir le point d'impact final et appuyez sur RB pour venir. Excellent. Chaps. Endal, Bifrost. Ne vous prendra plus. Allez. Ouais, y'a pas kiffé, hein. Ça m'alarme, Tony. On essaye de relancer les moteurs, mais ils ont pas assez de jus. On a plus le temps, les gars. Attention à la panne. Ah ouais, carrément. Hey, dieu du tonnerre.
Restez derrière moi. Maintenant, vas-y. Appelez la foudre. C'est pour lui redonner du jus. Ah oui, c'est pour réactiver les moteurs. Continue, ça fonctionne. N'importe quoi. Oula. Il est pas passé loin. Ah, on a un peu arraché des morceaux d'IM. Parfait. Vous avez tous complètement perdu l'esprit. Ah, le fils prodigue est de retour. Vous avez presque anéanti tout Manhattan. Eh, nous donne pas de leçons. T'étais où quand ça a commencé à mal tourner? J'étais en train d'expier mes fautes. Pas de mettre d'autres. Eh, les gars, tu calmes, ça va aller. Respirez un grand coup. On voulait empêcher l'expérience IM et montrer le vrai visage de Tarleton. Ces adaptoïdes qu'ils créent, ils récupèrent leur pouvoir en torturant des inhumains. Ils les exposent à des doses quasi mortelles de terrigène noir. Et ce n'est que la première étape. Notre cher George s'équipe pour faire la guerre. Et le pire, c'est que Kamala a trouvé certaines preuves révélant ce qui est arrivé à Steve. Salut. Tous les héros doivent commencer quelque part. Mais il se souvient d'elle. Ouais. Elle a une bonne mémoire. Ok, Jarvis. Tu as fini? J'ai pu décrypter les données. La vidéo continue. Ah, donc, qu'est-ce qui s'est passé? George! Est-ce qu'il a réussi à s'en sortir ou pas? Il nous attire vers cette signature thermique. Est-ce que ma théorie de tout à l'heure était la bonne? Scellez la porte. Quoi, George? Sortez. Non. Ah oui, donc c'est lui qui lui a dit de sortir et de sceller la porte. Au pont de commandement. Quoi? Évacuez, vite. Non, Cap, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Arrête. Carrément. Non. Cap a détruit le réacteur. Il devait avoir une raison. Mais laquelle? Des centaines de gens ont été infectés et d'autres sont morts, Nat. Calme-toi un peu. Toi, prends tes responsabilités, Tony. Voilà le boss que je connais. Continue d'accuser les autres, t'as raison. C'est pas le moment. Non, laisse-le dire, Nat. Je sais qu'il attend que ça depuis Acre Doré, pas vrai? C'est pas vrai? C'est notre faute. À nous tous. Pourquoi tu refuses de le voir? Eh, hey, ce que je vois, c'est que tu crois vraiment à toutes ces conneries que t'as déballées à l'audience. Je crois que nous sommes dangereux. Et tu penses que le monde se porte mieux sans nous? Oui. Bon, je m'en vais. Je vois que vous n'avez pas changé. Regarde là. Le mal est fait. Je peux pas la guérir. J'ai fait des expériences, j'ai vérifié son ADN encore et encore et encore. Toi et moi, on a créé la maladie ultime. Non, j'ai fait le boulot. J'ai pris les décisions difficiles. Ne... J'abandonne pas les gens qui ont fait de moi ce que je suis. Pas un mot de plus. Qu'est-ce qui t'arrive, Rose? C'est une crise? Ça a toujours été ton problème. Tu as peur de qui tu es. Ce que tu es. C'est à cause de ça que Monica a pu te manipuler. Je suis d'accord avec toi, mon grand. Ce banner est un archiste. Hé, faites pas ça. C'est exactement ce que Tarleton veut. Reste en dehors de ça. Eh ben, c'est bonne ambiance. Alors, nous y voilà. Je suis toute seule. Pas tout à fait, Mademoiselle Khan. Jarvis, j'imagine que tu peux continuer à faire voler ce truc? Pour un bon moment, oui. Ah, tu me rassures. Bon, allez. Du coup, je vais continuer encore un petit peu.
fait un petit peu moins d'une heure. Je devrais avoir le temps de finir le passage, là, je pense. Sans preuve, il n'y a aucun espoir. Mais je peux pas juste abandonner. Ça peut pas finir comme ça. C'est où, c'est chez qui, là, Natacha? C'est fermé. Ouais, bon. Vous êtes fermé de partout, du coup. Ici Phil Sheldon, en direct de la scène de l'incident, ici, à Manhattan. Oh. Ce dont nous avons... Même les gens du SHIELD sont partis. Ils se sont peut-être dit que Hulk allait tout casser. Une tragédie de l'ampleur du Hayden a été évitée de peu dans le ciel de... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Il y a tout le monde qui s'est barré, quoi. Ils sont tous évaporés d'un coup, quoi. Jarvis, est-ce qu'il y a un enregistrement de l'interrogatoire de Monica par Bruce? Certainement, mademoiselle. Vous pouvez y accéder dans la salle d'interrogatoire. Si je puis me permettre, mademoiselle Khan, qu'espérez-vous trouver dans cet enregistrement? J'en sais rien, mais il faut que j'essaie. Elle a peut-être fait une erreur. Ouais, c'est des carcasses de... du combat précédent. C'est la IM qu'on doit combattre. J'aimerais que Bruce et Tony s'en rendent compte. On dirait que les agents du SHIELD ont tout fait pour les repousser. Eux, au moins, ils ont le sens des priorités. Ben là, on voit la porte, elle a été forcée. Elle est cassée. Bruce était furieux. Ouais, Bruce pas content. Ah, il avait piraté la caméra de surveillance. Il est pas mal fait là, l'effet de métal un peu fondu. C'est pas mal fait. Allez, on va voir cet enregistrement. Les vidéos des interrogatoires. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Laisse-moi deviner. Vous préparez un coup d'éclat pour le lancement de l'adaptoïde. Allez, Monica, donnez-moi un indice. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Les adaptoïdes seront lancés, Bruce. Sauver le monde exige des sacrifices. Ça sert à rien. J'aimerais tellement parler à mon père. J'appelle Yusuf Khan. Non, 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 Jarvis, c'est parce que... Allô? C'est malin. C'est toi? Oh, Kamala, si tu es là, tu me manques tellement. Je ne suis pas en colère, j'aimerais que tu rentres à la maison. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te dire de cacher tes pouvoirs. Tu as peut-être peur. Tu es peut-être inquiète. L'important, ma fille, c'est que tu restes toujours fidèle à toi-même. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Les adaptoïdes seront lancés. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Fouillez la terre. Vous ne trouverez... Fouillez la terre. Fouillez la terre. Mais oui,
Bien sûr, le satellite. Le satellite. Avengers, si vous m'entendez, je crois que j'ai une piste. Écoutez, je sais que j'ai pas assuré. J'en voulais tellement à l'AIM pour ce qui m'était arrivé au Heyday que j'étais aveuglée. Mais Cap devait avoir une bonne raison de faire ce qu'il a fait. J'en suis sûre. Les gens ont foi en les Avengers. Pas juste pour vos super pouvoirs, mais... Parce que même si ça va très mal, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, vous finissez par vous rassembler. Vous voyez pas. Vos différences sont votre plus grand super pouvoir. J'étais qu'une gamine de Jersey bizarre et mal intégrée. Mais vous avez vu qui j'étais réellement. Vous m'avez acceptée. Il y a toujours un méchant qui menace la planète. Mais nous pouvons l'arrêter. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est ce qu'on fait. Qui revient. Ah, c'est bien, il a... Désolé. C'est quoi cette veste automatique qui apparaît sur lui quand il est devant? Ça va. Je comprends. Ils auraient pu le laisser torse nu, là. Je veux dire, c'était bizarre, quoi. L'altitude, les yeux secs. Bon, je suis pas très doué pour... Désolé, je... Ouais, pareil. Alors, t'as trouvé une piste ? Oui, dans l'interrogatoire. Écoutez. Fouillez la terre. Vous ne trouverez jamais le labo. Monica dit vrai. D'accord. Il n'est pas sur Terre. Je te suis pas. Eh ben, quand ils m'ont capturé, Monica et Tarleton se sont disputés. Tarleton a dû sortir de la pièce. Et ensuite, Monica a sorti les coordonnées d'un satellite appelé Ambrosia. Ambrosia ? C'était un projet de recherche médicale du SHIELD. L'AIM a dû l'acquérir lors du rachat. Ce serait l'endroit parfait pour cacher... des preuves d'expérience sur les inhumains. Si on veut pouvoir étudier les inhumains au niveau cellulaire, la pesanteur est un environnement idéal. Eh ben, synchronisation labiale, elle est dans les choux. Bon, on sait où on doit aller, il nous faut juste un moyen de nous y rendre. Le projet Starboost, monsieur. Si je me souviens bien, vous l'avez abandonné parce que vous ne pouviez générer suffisamment d'accélération dans le... Je sais. Pas la peine d'ennuyer tout le monde avec les détails. Et tout ça, c'était avant que je connaisse notre expert en fourmis. Jarvis, appelle Pym, s'il te plaît. Il faut qu'on trouve un moyen d'atteindre ce labo spatial. C'est le seul qui peut nous aider. Bon, bah voilà. Bon, du coup, je vais arrêter là pour cette session. Hein. Enfin, encore une petite session d'une heure. En plus, voilà, c'est bien, là, on a fini un peu tout ce qui se passait. Et puis, on est prêt à partir pour autre chose. Donc voilà, je pense que c'est le bon moment pour arrêter pour cette session-là. Voilà, bref. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et à bientôt sur la chaîne. Ciao.